petite improvisation. Donc je m'appelle Anne. Je me présente un peu, hein, parce que donc je suis musicienne. Ça fait 20 ans que je joue de la batterie, déjà. J'ai commencé par jouer de la pop et du rock, mais quand j'étais enfant. Et au début, j'étais au conservatoire, à Niort, qui n'est pas très loin d'ici. Et mon prof, en fait, quand je disais à mes parents que je voulais faire de la batterie, le prof du conservatoire, il m'a fait faire de la caisse claire et du xylophone. Et autant la caisse claire, j'aimais bien, mais le xylo, c'était pas ma tasse de thé. Donc un jour, à 10 ans, 12 ans, voilà, enfin je sais plus, dans ces parages, j'ai dit à mon prof que si il me faisait pas faire de la batterie, j'arrêtais la musique. J'étais déjà bien têtue. Donc il a commencé à me faire jouer de la batterie, et puis après j'ai eu un prof particulier qui me faisait jouer sur des morceaux, donc plus du rock. À l'époque, je passais des heures sur ce disque de Red Jugend The Machine, le morceau qui s'appelle Killing in The Name Of. Donc je jouais ça, voilà, et puis j'avais un groupe avec un copain, et après on est monté sur Paris avec ma famille, et j'ai découvert le jazz complètement par hasard. Parce que pour moi le jazz, c'était une musique de vieux. De quoi? De vieux. Ah, voilà, j'étais toute jeune, et puis il y avait cette école à côté de chez moi où en fait ils cherchaient un batteur pour un atelier avec des jeunes, quoi, des ados et des encore plus jeunes que ados. Et donc ma mère m'a dit, écoute, essaye, t'as pas de groupe à Paris, ça sera l'occasion de jouer avec du monde. Et en fait j'ai commencé à jouer et je me suis prise au jeu. Et je trouvais ça génial, parce que je découvrais un monde que je connaissais pas du tout. Et puis voilà, je jouais avec d'autres jeunes aussi. Et du coup j'ai fait un stage qui s'appelle Les Enfants du Jazz à Barcelonnette, qui est assez incroyable parce que ça permet aux étudiants de rencontrer les musiciens. Vraiment, il y a des masterclass. Et on jouait avec eux, donc dans ce cadre-là, j'avais joué avec Diane Reeves, qui est une grande chanteuse, avec Kenny Garrett aussi, enfin on avait... voilà, et puis j'ai eu une genre de révélation à un concert de Kenny Garrett. J'étais devant la scène comme ça, et je me suis dit, non mais en fait, c'est ça que je veux faire. Ça me procurait tellement de bonheur en fait d'écouter cette musique que du coup je me suis dit, c'est c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie. Donc j'ai continué, j'ai avancé, j'étais au lycée, je faisais des options de musique, voilà, orchestre du lycée, groupe de jazz du lycée, qui a été le premier groupe que j'ai dirigé en fait. C'était un groupe totalement autonome, en fait c'était les élèves qui dirigeaient l'orchestre. Au début je faisais juste la batterie, et puis après j'ai pris en main le truc, j'amenais des morceaux, etc. Alors il faut savoir que j'ai toujours été une... comment dire ? J'ai jamais été douée avec écrire la musique. Quand j'étais plus jeune et quand j'étais au lycée, distinguer un accord majeur d'un accord mineur sur le papier, pour moi, c'était... je comprenais rien. Rien de rien, mais j'entendais plein de trucs, mais je comprenais rien du tout. Et bref, j'ai eu 8 sur 20 à l'écrit en musique, quoi. Il faut le faire. Voilà. Et je suis sortie de là, et autour de moi, on m'a dit, oui, c'est bien, il faut que tu aies un diplôme, et... non, tu peux pas te lancer dans la musique comme ça, faut que tu ailles à la fac. Donc j'ai fait 1 an et 2 mois de musicologie. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? J'y suis pas, j'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie d'être prof de musique en lycée, ce qui est très respectable, mais j'ai pas cette vocation-là. Et du coup, j'ai tout lâché et j'ai bossé comme une... j'ai bossé, du coup. Et je suis rentrée au CNSM, donc c'est le Conservatoire National Supérieur de danse et de musique de Paris. J'ai étudié 4 ans. Et quand j'avais 19 ans, j'ai fait la rencontre d'un grand monsieur du jazz français qui s'appelle Christian Escoudé, qui est un guitariste un peu historique parce qu'il a joué avec pas mal de légendes de cette musique-là. Et lui, il m'a pris sous son aile. Et je me souviens du premier concert avec lui. Et c'était moi, pour moi, j'avais des étoiles dans les yeux. Il y avait Marcel Azola. Donc Chauffe Marcel de Brel, le gars, quoi. Il y avait Jean-Marc Jaffet, Stéphane Guillaume, enfin moi je voyais ces gens-là dans les magasins de disques et sur les journaux, et du coup j'étais, voilà. Et Christian, premier concert, il me dit, écoute, tu vas commencer le concert toute seule, tu vas faire un solo de batterie. Ouais, baptême du feu. Voilà, et puis il y a eu, après de fil en aiguille, j'ai commencé à jouer avec pas mal de monde, et Et quand j'étais au conservatoire de Paris, c'est vrai que j'étais pas hyper assidue, parce qu'en fait je commençais à jouer pas mal. Et c'est par rapport à la musique que j'écris, en fait, depuis toute jeune, j'entendais plein de mélodies dans ma tête et j'avais un espèce de clavier pourri Yamaha et je m'amusais, mais je me disais pas je vais écrire de la musique. Enfin, pour moi, c'est juste j'avais des mélodies qui me traversaient et puis voilà. Et j'ai rencontré des super musiciens à Paris et je me suis dit, ah, mais tiens, puis j'ai eu envie de faire un groupe en fait, un groupe à moi. Et on m'a poussé à le faire et en fait, écrire de la musique, c'est vraiment venu petit à petit et ça a été une longue, longue évolution. Donc j'écrivais des trucs, je les essayais avec des gens, mais je savais pas trop. Puis j'ai monté le premier groupe, j'avais un morceau, après j'ai fait 2 disques avec un trio. Et c'était un peu... on écrivait tous les 3 de la musique, donc c'était très réconfortant parce que j'avais pas tout à porter sur mes épaules, quoi. Et puis ça a mis vachement de temps en fait avant de prendre confiance. C'était un petit chemin comme ça, je posais des petits cailloux et j'avançais. Après je me suis dit tiens, j'ai envie d'entendre la musique pour plus d'instruments, enfin, j'ai envie d'écrire. Donc j'ai monté un quintet, donc avec guitare, saxophone, piano, contrebasse, batterie. Et là je me suis dit tiens, je vais essayer d'écrire tout un répertoire. Donc c'était un grand pas en fait dans l'écriture, mais c'était quand même avec des amis que je connaissais déjà. Quelque chose de très réconfortant. Et puis Circles, là, le groupe qu'on va vous présenter ce soir, en fait les musiciens, je les ai appelés parce que je les admirais, mais c'était pas des amis à la base, ils sont devenus maintenant. Mais du coup c'était encore un pas et d'en dire voilà, moi j'ai ça à dire, j'ai envie d'écrire de la musique, j'ai envie qu'on fasse comme ça. Donc ça a été une longue, longue évolution. Après, moi, je suis très instinctive. Enfin, je me souviens, quand j'étais au CNSM, j'avais des musiciens qui écrivaient à la table des symphonies, quoi. Et, moi, j'ai toujours été super... j'utilise le piano pour écrire, mais le moment où je pose mes mains, je ne sais absolument pas ce que je suis en train de faire. Juste, j'écoute, je me dis « Ah, ça, c'est bien. Ça, ok, c'est bien. » Et j'ai toujours fonctionné de manière hyper... ouais. Directe. Ouais, j'avais un prof et avec la batterie, enfin, j'étais un peu comme ça. Quand je suis arrivée à Paris, on m'a réinscrit au conservatoire et je lisais pas une note, évidemment. Et mon prof, bah, à cette époque-là, je devais avoir 14 ans, il m'appelait Petit Singe, ce qui était pas très sympa. Mais parce qu'en fait, je pouvais... Il me jouait un truc, je le jouais, mais il me le mettait devant le nez sur un papier, je comprenais rien. Et pareil, il me demandait de faire un roulement. Il me montrait d'autres étudiants qui faisaient, ils tenaient bien les baguettes. Et moi, je prenais les baguettes n'importe comment, je faisais... Mais ça marchait. Et du coup, lui, ça lui faisait un peu péter un plomb. Voilà, du coup, j'en étais où j'ai fait ouais, donc ma manière d'écrire, c'est vraiment très instinctif et très... voilà, ouais, intuitif. Et j'arrive pas, par exemple, je vois les copains dans le Circles, ils me disent « Oh là là, faut que j'écrive un morceau pour demain. » Moi, je peux pas faire ça parce qu'il faut qu'il y ait un truc qui arrive. Et il faut que je sois dans un moment où hop, j'entends une mélodie et là je vais travailler. Mais je peux pas juste me mettre au piano et trouver un morceau, quoi. Du coup c'est un processus qui est long, qui est lent, mais qui est assez génial. Et j'ai remarqué que en fait ce qui m'inspire c'est des émotions de vie en fait. Tout ce que je peux vivre. Alors, à un moment je me disais que c'est les voyages parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé avec ma musique, ça c'est merveilleux. Et je me disais c'est d'être allé dans tel pays, c'est d'avoir visité tel lieu. Et en fait je me rends compte c'est juste des sensations hyper fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Du coup ma musique, ouais, elle s'inspire vraiment d'un vécu et d'histoire. Tel morceau est relié à telle histoire que j'ai vécu à cet endroit-là, tel morceau c'est ça. Et donc ouais, c'est ces musiques de vécu, de mon vécu. Et aussi, je trouve que les mots, c'est pas assez en fait pour exprimer l'éventail d'émotions qu'on peut avoir, sauf quand on lit Baudelaire ou Prévert, et là, voilà, c'est incroyable, mais on n'est pas tous doués de ce talent-là. Du coup, moi, j'ai choisi la musique parce que c'est là où j'ai l'impression de m'exprimer pleinement et sincèrement, et où je peux transmettre aussi ces émotions-là. Voilà. Vous avez des questions? Vous êtes une famille alors de musiciens ou pas du tout? Non, en fait, mon père, à l'époque, il était prof de sport et ma mère institutrice. Ah, Et ma mère était fan de Laurent Voulzy, Alain Souchon, et mon père c'était Starmania. Du coup, c'était pas du tout. Et puis, j'écoutais pas de jazz quand j'étais gamine. Enfin, c'était vraiment un univers pas du tout musical. Mais en fait, ma mère, quand elle était plus jeune, elle voulait être peintre, elle voulait faire de la peinture. Enfin, elle peignait déjà, mais elle voulait en faire son métier. Et mes grands-parents qui ont 80 ans maintenant, qui ont toujours été très comme ça, ils m'ont dit non, il faut que tu fasses un vrai travail sérieux. Et elle, ça a été le drame de sa vie, en fait, de pas faire ce qu'elle aimait. Et, maintenant, elle est retêtée, et, elle peint, et voilà. Mais, et puis elle est devenue prof d'art plastique entre-temps, mais ça a été vraiment dramatique pour elle, en fait. Et du coup, elle a eu deux filles, moi et ma sœur est peintre. Et moi je fais de la musique et elle nous a toujours beaucoup poussé à aller vers ce qu'on aime et ce qu'on croit et ce qui nous fait du bien parce que elle s'est jamais vraiment sentie à sa place et du coup elle nous a dit vaut mieux galérer un peu en faisant ce que vous aimez que être riche à déprimer. Pas parler la même langue, pas avoir la même culture, on peut jouer ensemble. Et finalement, se comprendre. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est magique et qui marche aussi avec les styles de musique. Moi, j'aime profondément le jazz, mais j'aime profondément certains artistes de pop, certains artistes de musique du monde, de la musique classique. Enfin, je trouve que c'est important en fait d'aller se nourrir de toutes les musiques et pas se dire tiens, ce style-là, j'aime pas, parce qu'en fait, il y a toujours un artiste. Où on va, par exemple, moi j'ai beaucoup de mal avec le métal. C'est trop violent pour moi, j'y arrive pas quoi. Et un jour j'ai entendu un groupe, enfin j'écoutais, j'étais avec un musicien grec qui joue de l'orgamonde. Et son truc c'est le jazz, l'orgamonde et le métal. Et il joue hyper fort, hyper vite et tout, mais c'est super quoi. Et il m'a fait découvrir un groupe qui s'appelle Meshuggah. Et en fait je me suis dit mais ça c'est génial quoi. Alors qu'à la base je supporte pas. Donc comme quoi il n'y a pas de. Pour moi, il n'y a pas de barrière de style et je ne dis pas que je suis batteuse de jazz. Pour moi, je suis juste batteuse ou musicienne. Et j'aime autant aller jouer de la pop que du rock, que ça soit dans un club prestigieux ou dans un bar. Quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup dans la rue. À Saint-Germain-des-Prés, on posait la batterie, le sax et on jouait. Et pour moi, il faut donner pareil. Pas encore, non, hein, mais il faut donner la même chose quand on joue devant trois personnes dans une rue que dans une salle immense ou un gros festival. Pour moi, c'est pareil, il y a des gens qui sont là et on joue pour eux, quoi, de toute façon. Alors, ce que je voulais exprimer, en fait, bizarrement, ce serait plus facile d'écrire un morceau. C'est une très bonne question. Du coup, c'est peut-être un beau challenge. Ouais, c'est un beau challenge. Là. Ouais, surtout, j'aime bien les challenges. Et ça, c'est un truc aussi. Parfois, je parle beaucoup, hein, vous me dites. Mais c'est bien ça. Moi, j'aime bien, en fait, quand on m'emmène à un endroit où je ne sais pas faire. L'inconnu peut faire super peur, en fait. Mais j'aime bien me dire, bon bah j'essaye, et souvent il y a des super belles surprises en fait. C'est pour ça que je vais essayer de relever le défi. Enfin, c'est pas que je sais pas faire, mais c'est une belle question. En fait, je trouve ça un truc qui est chouette dans la musique, c'est qu'on peut, on peut vivre avec ce qu'on est dans le moment et exprimer. On se sent jamais pareil en fait. On est des, enfin, voilà, on a beaucoup d'émotions très différentes tout le temps et c'est ça qui, c'est un beau challenge aussi, c'est d'arriver toujours à être juste par rapport à ce qu'on est au moment où on est là. Et ça, je crois que c'est un truc un peu philosophique aussi. En fait, j'avais un prof de batterie au CNSM qui était très philosophe. Et les cours, il nous avait parlé d'un bouquin incroyable qui s'appelle Le Zen dans l'art du tir à l'arc. Et en fait, ça marche hyper bien pour la musique. C'est un bouquin où en fait, on dit quand on fait un geste, en fait, le tireur, il est l'arc, il est la corde qui se tend. Il est la flèche, et il est la cible, et il est le chemin jusqu'à la cible. Et c'est un truc un peu de méditation aussi, d'être un peu tout ça en même temps. Et dans la musique, c'est magnifique parce qu'en fait, moi, ça m'a appris à accompagner le son. C'est-à-dire, si je fais ça, mais en fait, je lâche pas la note jusqu'à ce que je choisisse de la lâcher. C'est comme, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si c'est clair. C'est comme quand on parle, parfois... Il y a des gens qui vont parler beaucoup, puis en fait ils savent plus trop ce qu'ils racontent, et d'autres qui vont, vous êtes dans une conversation, ils vont sortir 4 mots et vous allez faire ah ouais. Et du coup moi j'essaie de voir la musique comme ça, de toujours déjà jouer des choses que j'entends, pas laisser parler les mains faire toute seule, parce qu'en fait finalement je pourrais vous parler et en fait ça marche. Mais c'est l'arnaque totale. Et du coup, c'est d'être présent dans le son et de savoir quoi jouer, et habiter et mettre les tripes en fait dans ce qu'on est en train de jouer, quoi. Est-ce que tu... Oui, je peux poser. Ouais. Le fait que vous avez, dans une sorte, conservé de ne pas vouloir écrire et entrer dans cette moule de mentalisation de la musique, de l'écriture. Ça voudrait sauver le profond être. J'écris maintenant. Oui, maintenant j'écris après, la musique. Que vous avez... Mais en fait, je pense que ça, c'est un truc que j'apprends en grandissant. C'est que, en fait, nos défauts peuvent devenir des qualités. C'est-à-dire que moi, j'étais... L'écriture, j'y comprenais rien. Mais du coup peut-être que ça aurait changé ma musique si j'avais eu tout, si j'avais su tout faire. Et je pense que c'est pareil avec la batterie, il y a des choses que je rêverais de faire que je pourrais jamais faire. J'ai beau travailler des milliers d'heures, on n'est pas tous fait pareil. Il y a des musiciens qui ont les poignets super souples, qui peuvent jouer super vite, des trucs incroyables. Moi, je pourrais pas faire ça, je le sais. Mais du coup, j'ai cherché à développer autre chose et trouver ce que moi j'ai à dire, en fait. Et du coup, par rapport à l'écriture, oui, je pense que là où j'ai eu des difficultés, bah, je l'ai transformée peut-être en qualité. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une qualité, mais en tout cas, je me suis dit, ça, je ne sais pas faire. Donc, je vais toujours chercher à écrire des choses qui sont justes et que j'entends vraiment, quoi. On peut le comparer avec le langue maternelle. On n'apprend rien sur le grammaire, rien du tout, mais on le parle. Et après l'école, apprend d'autres langues où il faut d'abord apprendre tout ce qui n'est pas vraiment nécessaire pour comprendre. Ouais, peut-être. Bah... C'est dans une école que vous parlez. Je le fais exprès. Je sais pas. Non. Je sais pas trop. Ouais. C'est une bonne question. L'enfant à 3 ans, il parle. C'est vrai. Et après, il faut beaucoup de complications pour apprendre notre langue, avec un chemin complètement. Mais il y a d'autres trucs aussi, hein, c'est que quand on devient adulte, il y a beaucoup plus de complications, en fait. Dans tous les cas. C'est-à-dire que l'enfant, il vit les trucs, il dit les trucs quand ça va pas, ils n'ont pas de barrière, en fait. Ils font. Et c'est l'éducation qui fait qu'ils vont agir comme ci ou comme ça, en fait. Ma première question, en fait, c'était là, est-ce que vous avez gardé cette ouverture d'enfant à pas entrer dans le moule de l'écriture d'abord, après pouvoir faire la musique? Mais moi, j'ai gardé ces yeux-là avec tout, en fait. J'essaie de voir les choses avec un regard le plus ouvert et le plus naïf. Ouais. Ok, je comprends. Ouais. Je voulais vous poser justement une question sur la technique, puisque la batterie c'est comme un travail technique, il faut synchroniser les jambes, les bras, etc. La technique, vous la finissez, vous la pourvoisez, vous la détournez, vous en faites quoi? En fait, je crois qu'on est tous obligés de passer par là. Du coup, je la travaille et je l'apprivoise. Je pense que je passerai toute ma vie à apprivoiser ça. Après, c'est... J'ai découvert un plaisir dans ce travail-là, où c'est un moment en fait où je suis... Comment dire ? On a toujours plein de pensées qui nous passent par la tête tout le temps en fait. Et quand on travaille la technique et un geste précis, en fait si on part ailleurs, on ne travaille pas. Et du coup c'est un peu méditatif quoi, d'arriver à être dans ce qu'on joue. Et après moi j'essaye de travailler pour maîtriser en fait. Après aujourd'hui je travaille pour continuer à maîtriser mon instrument, entretenir certaines choses, mais il y a des choses que je travaille plus parce que je ressens plus le besoin intérieur. Quand j'étais au conservatoire, je bossais tous les trucs de bebop hyper vite, la ting 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 ting. Et en fait, aujourd'hui, j'ai plus envie de jouer ça. Ça me touche plus. Enfin, ça dépend avec qui. Il y a quelques musiciens avec qui ça me touche de le faire, mais en tout cas, je suis plus amenée à jouer ça. Et puis j'entends d'autres choses. Du coup, je travaille. Mais ce que je travaille, ça a toujours un rapport avec la musique et ce que je travaille un truc que je voudrais réussir à faire. Ou je vais bosser un morceau et puis je me dis ah ouais tiens je pourrais faire ça, du coup je vais pas y arriver donc je vais travailler pour essayer d'y arriver. Et... Voilà. Quand vous parlez de travailler, ça veut dire maîtriser une technique ou exprimer quelque chose que vous sentez en vous? Il y a les deux. Quand je travaille, il y a plusieurs phases. Il y a une phase vraiment mécanique, mais où j'essaye d'avoir un joli son, d'être précise. Je travaille avec le métronome. Et puis après, il y a toujours un moment où j'ai envie de... Voilà, et je me mets un disque de hip-hop et je m'éclate, quoi. Ou autre chose. Mais il y a... Ouais, disons qu'il y a la phase... Enfin, moi, je fais d'abord des études de caisse claire pour entretenir les poignets. Après, je vais travailler de l'indépendance. Donc, délier un membre, délier une grosse caisse ou un charleston ou une caisse claire. Et après, je vais jouer avec des disques beaucoup pour essayer de comprendre ce que les batteurs ils font. Deuxième, j'ai pas compris. De jouer sur des disques? Non, de délier. Ah, délier. Ouais, c'est travailler l'indépendance puis la coordination des membres en fait. Ah, ok. Ouais. Ça il faut toujours travailler ça. Je crois que de manière innée, on n'est pas vraiment indépendant entre nous. Je voulais dire, il n'y a pas beaucoup de batteuses, même s'il y en a de plus en plus. Vous avez trouvé votre place dans ce milieu masculin quand même, qui est le jazz, je crois. Ouais, je crois que oui, hein, ça n'a pas été facile tous les jours. Mais en fait, c'est comme dans plein de métiers et comme dans la vie de tous les jours. Je me souviens une fois à un concert, une dame qui vient me voir à la fin, elle me dit « mais c'est incroyable, mais... » Je ne pensais pas qu'une femme était capable de faire ça. Et là, je me suis dit, merde, alors là, on a vraiment un problème, parce que c'est elle-même qui le pense, quoi. Et je lui ai dit, mais vous savez, madame, les femmes, elles sont capables de faire tout ce que les hommes, ils savent faire. Hein. C'est pas... Et il y a toujours cette image de l'instrument physique ou machin, mais en fait, dans toute notre société, elle est basée sur que, en fait, l'homme, il est fort, que la femme elle est sensible et puis qu'elle se maquille et puis qu'elle aime le rose et enfin Voilà, du coup, moi, ça m'éclate en fait de déconstruire ça aussi. Il suffit d'avoir envie de faire. Ouais, et en fait, mais c'est dans plein de domaines. Par exemple, je prends beaucoup l'avion. Je suis tombée une fois sur une pilote. Une fois. Combien il y a de femmes PDG d'entreprise, combien il y a de femmes. Enfin, il y a plein de métiers comme ça où il n'y a pas de femmes. Et, ou très peu, et c'est en train de venir, mais en fait, il faut que les mentalités, elles évoluent. Et c'est aussi en prenant cette place-là, je me dis... Enfin, parce que j'en parlais avec des amis, je disais, mais comment... Parce que moi, ça, parfois, ça me rend dingue, en fait, les inégalités hommes-femmes. Et je disais, mais comment est-ce que... Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je m'engage dans une lutte quelconque quoi? Et les amis me disaient, mais non, mais en fait, en faisant ce que tu fais, tu mets une pierre. En fait. Absolument. Et du coup, mais c'est vrai que c'est vachement... parfois, ça me met en colère, parce que c'est toujours, mais comment vous faites pour une femme? Ou, et en fait, je sais que ça prend du temps, mais les gens sont toujours surpris. Et j'attends vraiment avec impatience le jour où... C'est encore aujourd'hui qu'on sent que ça. Bah oui, il y a plein de gens qui... Bah, on me dit c'est étonnant pour une femme. Ça dépend le pays aussi. Ouais, en Scandinavie c'est beaucoup moins... par exemple, je suis allée jouer en... J'étais invitée, alors ça ne serait jamais arrivé en France, j'avais 25 ballets, je joue avec des musiciens suédois, le trompettiste qui dirige un des plus gros big bands de Suède, un truc hyper réputé, me dit écoute, je t'invite et on va jouer ta musique avec le big band. Je pensais que c'était une femme. Comment? Je pensais que c'était une femme. Non, c'était un homme. Ah ouais. Et donc je me suis retrouvée, du haut de mes 25 ballets, à diriger un orchestre de musiciens de 50 ballets et leur dire ah ouais, non, là ça va pas, machin. En France, impossible. Ouais. Les mecs, ils en prennent trop, leur ego, c'est trop compliqué. Enfin, je suis désolée, messieurs. Mais oui, ça... Je pense que aux hommes, c'est l'éducation musicale en France qui fait ça. Mais c'est l'éducation tout court. Par exemple, en Scandinavie, vous n'allez jamais avoir une réflexion sur comment vous êtes habillé. Parce que nous, les femmes, c'est tout le temps. Hein. Moi, je le vois quand je poste des photos sur Internet. Parce que voilà, on est dans l'ère de la communication, il faut poster des photos de soi, machin, c'est bien, tout ça. Et c'est, c'est toujours des termes jolis, mignonne, machin. Est-ce que quand un mec il poste une photo, on va dire ah dis donc, t'as un beau short aujourd'hui? Bah non. Et du coup, on est encore, il y a encore beaucoup de boulot, mais c'est aussi voilà, moi j'essaye de déconstruire ça, et même chez moi, je me rends compte de réflexions. Par exemple, moi j'ai eu un complexe de commandant. On appelle ça. Je me sentais pas à ma place pendant longtemps. J'avais des papiers partout dans les journaux, les machins, je sortais des disques, mais j'avais l'impression d'être une usurpatrice. Ça, c'était quand j'étais au CNSM. Et je me disais, et en fait, dans ma classe, on me faisait sentir, on m'a clairement dit, ouais, mais toi, t'es rentrée parce que t'es une femme. Et il faut un quota. Voilà. Donc, moi, j'étais jeune, j'avais 19 ans. À 19 ans, on est encore... on n'a pas trop confiance, machin. Bah, j'ai douté. Pareil, le CNSM, toujours, il y avait une conférence à New York. Une conférence d'école. Et ils nous font le grand speech. Oui, et ceux qui partiront, parce que tout le monde ne partait pas, évidemment. Ça sera l'excellence. Les meilleurs musiciens, ils font speech, machin. Puis ils annoncent les noms. Bah, j'étais dedans. Et les gars viennent me voir, ouais, mais de toute façon, toi, c'est parce que t'es une nana. Voilà, donc du coup, à un moment, je me suis dit, non, mais et ça m'a mis dans un état d'esprit, je me suis dit, en fait, il faut juste que je. À un moment, je me suis dit, il faut que je joue mieux. En tout cas, il ne faut pas être en dessous. Et après, je fais mon truc, et en fait, excusez-moi, je vais être grossière, je les emmerde. Et du coup, maintenant, je. Voilà. Mais oui, c'est un truc que j'ai senti, où je me souviens, une fois, j'étais à Strasbourg en vacances, il y avait une jam session. C'était il y a 5 ans. Je dis rien, je vais voir, excusez-moi, est-ce que c'est possible de jouer? C'était des jeunes, ils étaient plus jeunes que moi, c'était des étudiants. Ils me regardaient comme ça, ils font « Ah mais c'est pas pour les débutants ici. » Là, je fais « Bon, je fais, non mais... ouais mais en vrai, comment on joue? Ah ouais mais non, mais tu sais, la jam des débutants, c'est mercredi. » Donc voilà, je dis rien, je trouve d'autres biais, et puis je me retrouve sur scène, et puis en fait ils se sont sentis cons, mais tellement cons. Mais j'ai rien dit, j'ai pas fait d'esclandre, j'ai pas, j'ai juste j'ai accédé à la batterie et puis voilà. C'est la meilleure réponse. Voilà. Oui. 5 minutes. 5 minutes déjà. Ouais. Ah, là, en fait, c'est pas plus fort ça, ce sentiment-là dans le jazz que dans d'autres types de musique, parce que les femmes dans le jazz, c'est les chanteuses, enfin, ouais. C'est ce que les gens dans la, façon de voir, en fait, les chanteuses, et quand on en voit une à la batterie ou au saxophone, par exemple, c'est... Ouais. Ah mais tiens... Bah en jazz, il y en a encore moins, bah ouais. Mais moi, pour avoir fait des grosses tournées de pop ces dernières années, il y a quand même du match. Ouais, ouais, non, bien sûr. Genre, j'arrive dans une salle, je dis, le mec me place mes retours pour avoir le son, entendre les autres n'importe comment, pas comme je veux, pas ce que je veux, machin. Je fais non, non, mais je veux pas ça, fais-moi confiance, ma petite, je vais te montrer. Je fais non, mais ça va, j'ai fait 80 dates avec ce groupe, je sais ce dont j'ai besoin. Et il y a un truc où il faut faire ses preuves, en fait, voilà, au début. Mais moi, je préfère, voilà, j'arrive, je dis rien, je fais mon truc, et puis... mais sans violence verbale. Mais parfois, j'aurais envie de... ouais, je pense pas que c'est que aux femmes. Ah, mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Parce que moi, je suis une étrangère ici, et quand tu es étranger, c'est la même histoire. Ouais, c'est vrai. Je peux exactement dire la même chose. Ouais. C'est le fait que je suis hollandais, ça se tombe dessus aussi. Ouais, mais il y a des... Bien sûr, bah oui, mais il y a beaucoup de travail à faire encore dans ce pays, mais dans le monde. Mais voilà, c'est en faisant, en étant ce qu'on est, en faisant ce qu'on fait, qu'on bouge les lignes, je pense, petit à petit. Vous avez d'autres questions? Est-ce que le public influence votre musique? Alors, j'avoue que quand le public est un peu mort, ce soir, il faudra continuer. Ouais, quand le public est pas très réactif, nous, ça nous pose des questions en fait. Et on se dit, mais c'est pas un bon concert, on n'arrive pas à les choper, qu'est-ce qui se passe? Et quand on a un public qui est hyper chaud, et nous, ça nous fait décoller en fait. Ça porte. Ouais, ça porte. Et un public qui est là, il finit le morceau, il est là. Et parfois on comprend pas parce qu'on fait le concert, les gens sont... tranquille, et en fait ils finissent debout, standing ovation, et du coup il y a des moments c'est un peu déstabilisant, mais c'est vrai que c'est... mais ça c'est un truc qui est très culturel aussi. Et dans la créativité, ça influence le public? Suivant vous avez eu des publics, est-ce que le public peut vous influencer? Bah non, parce que quand j'écris je suis toute seule. D'accord. Du coup, vous ne partez pas de choses vécues? Si. D'ambiance vécue. Ouais, mais c'est avec des gens, avec des lieux, mais c'est un truc assez intérieur quand même. Quand c'est écrit, il y a un public très animateur, très soutenant. Est-ce qu'il y a la créativité qui entre à l'intérieur d'écriture ou il n'y a plus place pour... Il y a les chorus, vous partez. Ouais, bah disons quand le public il est chaleureux, le groupe, nous, ça nous porte en fait. Et ça nous rend, je pense, plus créatifs parce que heureux d'avoir un bon retour du public. Et du coup, on est content, et du coup, on est tout ému, et on joue mieux, quoi. Vous avez souvent des rencontres aussi près? Les gens sont aussi près que ça? Ah oh, oui, ouais. Moi, j'aime bien parler avec les gens, alors du coup... Ah oui. Est-ce que vous avez des influences particulières en musique, quoi? Ouais. Bah, elles sont... En tant que musicien, en tant que danse... les influences, c'est à peu près tout ce que j'entends et qui me touche. D'accord. Ouais. Toute la musique qui me touche. Et... ouais, ça fait des influences assez variées. Et pareil, mais ça peut être aussi une peinture, oui, c'est ça, un lieu, une exposition, enfin quelque chose qui va me toucher en fait. Ouais. Et si c'est un batteur, vous diriez qui? Si je disais un batteur, moi j'adore un batteur qui s'appelle Brian Blade. C'était, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été le batteur de Johnny Mitchell pendant des années. Et Wayne Shorter aussi. Et j'adore ce batteur-là parce qu'il ne fait pas étalage de sa technique. En fait, s'il se met à jouer un truc compliqué, c'est parce que la musique, elle le veut en fait. Et puis il groove, c'est incroyable de groover comme ça. Donc ouais, je dirais que c'est lui mon préféré. Moi, c'est Erline arrivée. Ah ouais, chouette. Tu fais de la batterie? J'arrive de New Orleans où j'ai vu Alain arrivée jouer. Ah, génial. Trop bien. Je peux poser un compte? Je remarque que là, dans ce festival ici, le batteur il utilise plus de possibilités d'instruments comme il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était surtout hyper rapide, maximum de bruit. Là, c'est le silence, le tempo bas, haut. Ouais. Est-ce que ça, c'est une tendance dans le monde des batteurs ou c'est juste je pense que c'est des milieux. Comment? Je pense que c'est des milieux. C'est des... comment dire? Il y a des familles de musiciens. Il y a des, et tous, malgré nous, on se met dans des familles avec des musiciens qui ont la même sensibilité, en fait. Et, je pense qu'il y a toujours eu, il y a 20 ans, il y avait aussi des batteurs qui cherchaient des sons, des machins. Voilà. C'est un exercice que j'aime bien faire quand je fais des masterclass pour les enfants, c'est que je leur dis tu fais 20 sons avec une caisse claire. Ouais. Et ça c'est trop bien. Et les gamins ils sont... Mais du coup, non c'est peut-être que comment dire, les organisateurs du festival sont plus attirés par une famille de musiciens aussi. C'est peut-être ça. Parce qu'il y en a encore plein hein, qui sont qui font les costauds quoi. Le festival depuis 30 ans, je remarque que dans les dernières 10 ans, on ne commence plus de parler avec le batterie. Ouais. Avant c'était comment je peux toujours au même moment. Ouais mais il y en a encore plein. Hein. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais il y a une sorte de tendance. Ouais, non, je dirais pas qu'il y a de tendance... Enfin, j'ai pas l'impression, après peut-être je me trompe, hein, mais je ressens pas ça en tout cas. Ok. C'est la dernière question, je m'excuse de frustrer les gens, mais il va falloir après arrêter, mais vas-y. Est-ce qu'actuellement vous jouez d'autres genres de musique, d'autres styles? Alors, actuellement, ça parle de ce mois-ci ou cette année? Cette année, alors attendez qu'on est en 2017, on est en 2017. Ouais, j'ai des problèmes avec le temps, c'est drôle, alors là, en ce moment, je joue beaucoup avec mon groupe, en fait. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on mélange plein d'influences. Donc il y a des moments où je joue un peu plus pop, d'autres plus jazz, d'autres je sais pas trop ce que c'est. Et après, non, en fait, ces derniers temps, je fais plus du jazz. Mais les années d'avant, j'ai joué longtemps avec une super chanteuse qui s'appelle Jeanne Added. Et je fais 2 ans avec elle, donc là, c'était électropop. Je tapais comme une sourde et je faisais du rameur pour tenir le coup physiquement. Et donc là, ouais, c'était électropop. Je jouais avec une autre chanteuse qui s'appelle Mélissa Laveau, qui fait... c'est un mélange de folk, d'afro, je sais pas quoi, de musique haïtienne, de plein de trucs. J'ai joué avec une chanteuse syrienne aussi, donc vraiment musique syrienne. Mais non, ces derniers temps, en fait, je fais beaucoup mes trucs. Et ce qui est cool, c'est que du coup, je peux faire ce que je veux. Je peux tout mélanger. Il y a une autre question? Ça va. Je suis désolée, un petit instant de batterie et puis un petit instant de batterie. Tu veux bien, et puis après on va arrêter, je suis désolée mais... Bah faut venir au concert. Voilà. Oui. Ah non mais ce que je vais faire, je vais vous frustrer, je vais pas faire d'instant de batterie, voilà. Comme ça vous viendrez au concert. Voilà. On va remercier grandement Anne Paceo de s'être livrée à cet exercice qui n'est pas toujours évident. On vous remercie à vous d'être venus. Il y a un concert qui vous attend sur la Roseraie avec le Béritan Diaz Quintet que je vous invite à voir avec un super batteur aussi. Oui. Voilà. Voilà. Et ensuite, eh ben, on vous attend à 21h pour le concert de François Corneloup et puis ensuite... le concert d'animation et la projet Circles. Merci à vous.